Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis ici, caché dans les usines de Flins, chez Renault, pour vous présenter ce Dacia-là. Je vais faire plusieurs vidéos avec celui-ci où je vais vous faire un comparatif avec l'ancien, vraiment mis côte à côte. Aujourd'hui, je vous présente sur celle-ci. Là, vous pouvez voir là tous les accessoires et également le pack slip de cette voiture. Bon, je vous redonne rapidement les caractéristiques du Duster pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos. Et ensuite, je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur avec ce pack qui est fait pour aller vagabonder, faire du camping un petit peu sauvage et pouvoir dormir dans sa voiture assez facilement, tout comme ce rack de toit qui est vraiment une option Dacia comme on retrouvera également à l'intérieur. Ils vont développer de plus en plus. Rappelez-vous, je vous avais présenté la tente qui allait sur le jogger. On avait tout déballé, on avait fait en sorte de pouvoir tout voir, on avait fait le montage complet du petit sac jusqu'à la fin. C'était quand même plutôt sympa. Bon, aujourd'hui, je vous montre celle-ci. Bon, alors, j'ai repris mes notes rapidement. Le Dacia, là, c'est la toute dernière génération. Il existe depuis 2010. C'est la troisième génération. Plateforme CMF-B qui permet pas mal de choses. Et surtout, comme celui-ci aujourd'hui, il est disponible en hybride dès à présent. Enfin, dès à présent, maintenant quoi, mais bientôt, puisqu'il sort seulement l'été prochain. Il sera disponible en hybride 140, en TCE 130 chevaux, avec un 1,2 litre. On aura également le EcoG 100, il sera disponible également en 4 roues motrices ou en 2 roues motrices. Ça, c'est quand même une bonne chose. On aura toujours les gammes essentielles, expression, extrême et journée. Extrême et journée, ce sera les versions les plus haut de gamme à chaque fois. Là, on a une version extrême et là, on a une version journée de ce côté-là. Au niveau des commandes, vous pourrez les commander à partir de janvier-février 2024, donc c'est très bientôt au final. Au niveau des dimensions, il ne change pas tant que ça, 4,34 m de long, 1,81 m de large sur 1,66 m de haut, avec ces barres de toit qui restent toujours modulables. Comme on peut voir, on les a modifiées là pour pouvoir les mettre en transversale, puisque de base, elles sont longitudinales comme celle-ci, mais chez Dacia, il y a toujours cette facilité à pouvoir changer grâce à une petite clé Torx. Le pack slip, c'est un lit de place. À l'intérieur, il fera 1,90 m de long. Moi, je suis 1,80 m, donc on va voir ce que ça donne en conditions réelles. Et 1,30 m de large, donc pour deux adultes qui aiment bien se serrer et se rapprocher un petit peu. La galerie de toit, donc ça, on a le droit de mettre jusqu'à 80 kg en dynamique, un petit peu plus lorsqu'on est en statique. Donc peut-être qu'il y aura même des tentes de toit qui arriveront, parce que Dacia était partenaire il n'y a pas longtemps, justement, de ce Roof Tent Festival, où il y avait pas mal de choses de camping et d'accessoires. Et c'est vrai, voiture accessible, on peut mettre du toit, des tentes de toit. Pourquoi pas faire du camping un petit peu plus accessible également, puisque c'est ça un petit peu la base du camping. Bon allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc là-haut, pour pouvoir y accéder, je peux me mettre sur les marchepieds qu'on a au niveau des portes. Donc là, on peut voir, il y a des pagaies par exemple. On peut aller faire du kayak, on peut également poser son kayak. On a quelque chose d'assez solide, c'est entièrement métallique. On a ça. Alors, je ne suis pas sûr que je puisse monter dessus. Ouais, ça a l'air quand même bien fixé. Il y a un petit peu de poids. Moi, je fais 75 kg plus ça. Pensez que ça passe. Donc, on peut le voir, les barres sont modulables ici. On a des accroches en dessous métalliques avec des petits caoutchoucs pour ne pas que ça bouge et pas que ça fasse de bruit de vibration. Et donc, on peut mettre jusqu'à 80 kg, ce qui est déjà pas mal. Lorsqu'on passe à l'arrière, on voit ici le logo Dacia sur cette galerie. Nouveau également à l'arrière. Et quand j'ouvre, donc j'appuie sur un petit bouton, pression, et ça m'ouvre le coffre. Et comme vous pouvez voir, il y a le pack slip directement à l'intérieur. Alors, ce qui est bien, c'est que la plage arrière ici en dur, lorsqu'on a le pack slip, on peut refermer. Alors par contre, on n'a quasiment plus de coffre. Il nous reste un petit peu moins, ou aux environs 200 litres à l'intérieur ici. Le volume est plus petit que dans le jogger. C'est pas exactement le même. C'est un caisson spécialement adapté au Duster. Donc on a le matelas là en triple épaisseur, on a environ 5-6 cm d'épaisseur de matelas avec de la mousse pour pouvoir dormir quand même un minimum confortablement installé. Donc on a ce caisson gravé Dacia également, donc des parties en bois. On peut voir chaque épaisseur de bois. Je peux l'ouvrir, donc hop, de chaque côté il y a des petits crochets. Je peux m'en faire une petite table. Alors là, ça supporte 15 kg maximum, donc c'est pas fait pour s'asseoir, c'est pas comme sur les pick-up quand ça se déploie, mais lorsque j'ouvre ça, j'ai accès à du rangement à l'intérieur. Là, par exemple, j'ai des pieds qui nous serviront juste après. On a des casques là, par exemple, hop, pour aller faire du kayak. On a même des gilets de sauvetage. Donc, on peut voir qu'il y a quand même un petit peu d'espace ici à l'intérieur. Et il y a même de quoi, n'oubliez pas, gonfler le kayak. Ça me donne envie. Dacia, invitez-moi à faire du kayak, s'il vous plaît, l'été prochain. J'ai trop envie. On part avec ça. On se fait une petite expérience. Ça peut être très, très cool, ça, non? Donc, comme vous pouvez voir, il y a de la place ici, là. Et on peut refermer. Je réclipse. Et voilà.
Bon, comment on aménage le pack slip? Je vais vous filmer également un point de vue de l'intérieur et du côté pour vous montrer comment on se débrouille avec ça. Bon allez, je vais vous montrer comment convertir ces sièges ici, qui sont quand même très agréables, en version couchage pour deux adultes. Donc pour commencer, il faut déjà avancer ces deux sièges juste ici, les avancer au maximum et les incliner vers l'avant. Je peux déjà les incliner vers l'avant à partir de l'arrière ici, hop, et hop, ce qui me permettra ensuite de juste les avancer et peut-être que même comme ça, ça devrait pouvoir le faire. Ensuite, on rabat la banquette, donc là je peux le faire pendant que je suis ici à l'intérieur. Et ensuite, de ce côté-là, ici, hop là, bon oui, ça suffira comme ça. Ensuite, c'est à partir de là que ça va devenir peut-être un petit peu plus sportif. On va devoir enlever la plage arrière, donc hop, je vais la déclipser par l'arrière de là-bas. Donc j'enlève les petites cordelettes pour ceux qui me voient encore à travers la voiture. Je déclipse la plage arrière, je la pose sur le côté, j'enlève le matelas qui se trouve ici à l'intérieur, je peux le mettre sur le côté. Ensuite, je vais devoir ouvrir la cage. Donc, pour ça, très simple, je tire ici. Et comme vous pouvez voir, ça se déploie petit à petit. Alors, il y a un sens, puisqu'on a des petits pads en mousse pour ne pas que ça fasse du bruit. Ah, vous voyez, je n'ai pas assez avancé les sièges, donc ça ne va pas aller jusqu'au bout. Donc, je retourne les avancées au maximum. Hop. J'ai cru que ça pouvait passer, mais non. Bon, c'est pas ce qui prend le plus de temps, mais il faut juste ne pas oublier de le faire. Alors, on continue. Cette fois-ci, donc je peux le déployer en grand. Je mets ça droit ici. Ensuite, avant de pouvoir rabattre tout ça, je vais aller chercher dans le coffre des renforts ici, donc longitudinaux ou transversaux ici, pour pouvoir en servir un petit peu comme des lattes. Donc pour cela, je dois soulever ici et j'ai deux parties qui sont directement à l'intérieur. Donc je peux les envoyer par là et elles ont un petit espace spécifiquement prévu pour elles à l'intérieur. Donc je viens, ça s'agrandit, attention aux doigts, hop là. Donc ça me permet de rigidifier comme ça sur la longueur et surtout de pouvoir prendre appui également sur la banquette. Il y a le deuxième ici. Puisque, comme je vous dis, on va pouvoir dormir à deux adultes à l'intérieur. Hop. De cette façon, donc, ça fait des appuis au centre maintenant, plus sur les côtés. Et comme là, on a vraiment du bois vraiment solide, ça n'a plus posé de problème. Donc ensuite, je déploie cette partie. Je déploie l'arrière. Alors, hop, là, il y a un petit peu de poids. Donc, il faut l'emmener un petit peu vers le haut. Attention aux doigts tout de même. Et on déploie gentiment. Et on repose. Donc pour ça qu'il faut bien avancer l'avant pour pouvoir aller jusqu'au bout du lit de cette façon. Ensuite, on va avoir des renforts tout au bout ici. Donc ça va être des pieds spécifiques. Et comme on peut le voir, celui-là, j'aurais peut-être dû encore un petit peu. Voilà, pour ne pas que ça touche et que ça abîme du tout. Donc cette fois-ci, j'ai deux pieds comme ça que je viens rajouter sur le bas pour pouvoir renforcer toute cette structure. Puisque là, on était maintenu jusqu'ici. Et pour pouvoir renforcer au cas où on a un petit peu d'appui. Si vous faites des cochonneries la nuit, on ne sait jamais. Je mets le deuxième de ce côté-là également. Hop, j'incline. Hop, et je viens de poser. Et là, c'est tout dur. Ensuite, je fais glisser. C'est parti sur les côtés. Je fais glisser de ce côté-là également. Donc là, j'ai, on va dire, mon sommier. Ensuite, il ne me reste plus qu'à mettre le matelas. Donc, je déplie, hop, je le fais traverser tout l'intérieur de la voiture. Et là, vous allez me dire, il en manque des petits bouts sur les côtés. Effectivement, ils sont juste là. Hop, et vous pouvez voir, il y a du scratch ici, tout comme il y a du scratch sur les côtés. Et j'ai juste un... Ah, je l'ai mis du mauvais côté, le matelas. Sinon, les scratchs ne sont pas du bon côté. Allez, on recommence. Donc, là. Heureusement que c'est pas très lourd. Je pense que c'est quand même... donner à n'importe qui de pouvoir le faire et hop, je clipse. Enfin, je scratch de ce côté-là, j'emmène le deuxième, je scratch de ce côté-là et là, je referme ça ici. Tac. Alors, la plage arrière, je ne sais plus trop quoi en faire. Autant la laisser à la maison parce que sinon, dans l'habitacle, ça ne va pas forcément être très pratique. Et par contre, donc, Nico, 1m80. Hop là. Coucou les amis. Alors, est-ce que c'est confortable? Alors, on a un matelas qui est
un petit peu ferme, mais on sent quand même la mousse qui fait bien son job. J'ai de la place. Alors, si je pars en week-end tout seul, franchement, c'est plutôt bien. Si je m'allonge, alors moi, je suis 1m80, alors je suis juste, mais d'un côté, si vous mettez votre oreiller là, vous voyez, l'oreiller, l'avantage, c'est qu'il ira pas plus loin, il tombera pas derrière le matelas. Donc, on peut se le mettre un petit peu ici. Donc, même si je fais 1m90, j'aurai encore un petit peu de place au bout. Donc, ça, c'est quand même vraiment pas mal. J'ai un éclairage ici au cas où il y a les U-clips que je pourrais mettre également sur la porte du coffre ou dans le coffre à trois endroits. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est quand même pas mal, hein? Donc, l'idée, c'est de dormir de sens là, puisqu'on est plus large. Oups, où est le bidon? De ce côté-là, au niveau des portes, puisqu'on a les portières plutôt que dans le coffre, vraiment les pieds vers là-bas. Alors comme ça, on peut se toucher les pieds, mais c'est plus pratique de se toucher les pieds parce qu'on est plus taillé en V comme ça que dans l'autre sens. Et là, on a de la place pour les coudes. Et franchement, alors moi, j'aime bien avoir de la place. Je dors dans un king size parce que j'aime bien avoir de la place. Tout seul, ici, ça ne me pose pas de problème. Pour faire un petit peu de camping ou autre à deux, pourquoi pas? Il faudrait que j'emmène madame. J'espère qu'elle sera d'accord. Alors madame, vous êtes d'accord? Mettez-moi un petit message dans les commentaires, madame. On a des poignées au cas où pour s'aider à se relever ou autre, et on peut sortir par le côté. Alors, hop, si j'ouvre la porte, ce sera presque plus facile. Et pareil pour monter. Bon, au final, quand même plutôt cool hein, ce nouveau Duster avec ce pack slip. Alors, je pense qu'ils vont démocratiser ça hein, vraiment à toute la gamme. C'était arrivé sur le jogger avec la tente. Là, je pense qu'il y aura peut-être même la tente hein, qui arrivera un jour sur ces versions. Peut-être qu'on pourra adapter celle du jogger à voir. Je trouve ça assez intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes un petit peu aussi camping, outdoor, vacances, un petit peu plus simple que forcément de l'hôtel? Alors, peut-être pas faire deux semaines dans le coffre de son Duster, mais pour des week-ends, je trouve ça assez facile. On peut aller faire pipi, ses besoins dans la nature. Alors peut-être pour la douche, c'est un peu plus compliqué. Mais si par exemple, on part un petit week-end, bah, je trouve ça assez sympa. Plus la galerie là-haut, hein. Franchement, tout équipé. Il y a de quoi se faire plaisir et partir se faire des petites escapades assez cool. Moi, je fais du vélo. Et franchement, je me dirais que pourquoi pas. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça, à vous abonner. Il va y avoir plein de vidéos d'Acia en 2024, ce qui nous réserve pas mal de choses. Et surtout, il y aura les essais de tous les modèles, surtout l'hybride que j'ai hâte d'essayer. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir ça en avant-première. Allez, à bientôt, ciao!